Et voilà, alors là, petite mission. Bon, petite mission. Niveau 31. J'espère que ça va marcher. Non, tu déconnes, putain, je les avais tous pétés, faut que je recommence. Ah bah oui, mais c'est eux, ils ont fait spawner aussi, ils ont quoi. Voilà. Ah non, j'y suis, c'est la seule chose. Aucun signal entrant, ni sortant. S'il s'agit bien du Jardin Noir, il n'est sur aucune carte connue de l'espace-temps. Ils sont dans une sorte de stase. Mais c'est super. Ouais, c'est quand même plus cool de jouer du son sur les oreilles. Oh merde. Vas-y, sors que je puisse te toucher. Ah, je fais quand même comme bien. Bâtard. C'est quoi ce son encore? Ouais, inconnu. Ça pète. Il y a quelque chose de très sombre en contrebas. Je crois que c'est le cœur du Jardin Noir. Ouais, toi t'as pas souffert longtemps. Ouais, peut-être.
côté il est trop bien. Putain, du coup je suis même plus concentré là. Alimente la barrière. Éliminez-les. Bon, mais du cul que j'ai plus de balles, toi. Ah ouais, faut que j'aille me faire l'autre là-haut, quand même. Voilà, ça c'est fait. Merde. Je vais dévoir là. Une impasse. Le cœur est juste un peu plus loin. Cet endroit n'est qu'une énorme machine. Rapprochez-moi de ces oculus. Attends, les 4 balles, il prend pas lui. Putain.
peut les manipuler. Il suffit de briser l'encryptage de leur collecteur. Passons au suivant. Ça marche. Une flèche se forme. Ça commence enfin à prendre forme. Très bien. Voyons si ça... Juste la permission d'entrée. À titre de maître des clés. Ouais, bah putain, il pourrait le faire passer plus vite quand même. Le cœur du jardin noir. Très bien. Advienne que pourra. Allons-y. Je n'ai pas tellement le choix. Vas-y, ça va passer tranquille, ça. Pas tranquille. Et on, ça va, quoi. Bah pour le moment ça passe. Non, tu déconnes. Voilà, ça c'est nettoyage. Putain, regarde les flex, ça c'est en premier. Ça passe quelque chose. Ces statues géantes prennent vie. Allez, tente-toi.
Oh putain, je fais que le WC avec ça. Vas-y. Je sens que ça va être long. Oh, vache. J'en ai trois comme ça à faire. Comment je l'ai mis à côté celle-là, abusé. Chier, j'ai déclenché pour rien. Putain, quel con. Le cœur se meurt. Continuez de vous battre. Ouais, plus que les deux là. Merde! Putain, non, fais chier! Quel con! Ouais, il va falloir me faire taper 3 quoi. Putain, ça casse les couilles. Ces statues géantes prennent vie! Eh, hey, lâche-moi les couilles, putain. Le cœur se meurt. Continuez de vous battre. Ouais, putain, je m'en fais un laisse, les autres l'auraient passé, quoi. Culé. À charger, c'est bon, tout est là.
Ah oui, faut que j'arrive à rien même quoi. Tu te fumes toi aussi, putain. Alors, pas deux fois même endroit, c'est mort. Ah putain, j'ai pas joué là aujourd'hui. Voilà, pour moi, j'aurai des balles. Là, ça me touche à quand même. On va arrêter de faire les coins un peu. Hein. Je vais te péter, connard, de toute façon, ça c'est sûr. Oh putain, quel con. Je vois qu'il y a ça des fois. C'est bizarre. Et là, je te tiens. C'est obligé. Ah putain, je suis mort comme un coup la première, je suis dégoûté. J'ai un signal. On est de retour sur Mars. Je reçois des signaux de tout le système, d'autres spectres. Le voile des ténèbres s'est levé. Le voyageur a retrouvé la lumière. Le guide nous demande à tous de rentrer. Allez, puis on va se taper la cinématique à la con. Puis y a rien à trouver par là. Ah non, c'est bon, je peux esquiver, c'est cool. Pendant des siècles, oh non, merde, fais chier, je la tape. Ténèbres grandissantes. Nous avions trouvé refuge dans l'ombre d'un dieu stérile. C'est fini.
Ces gardiens représentent qui nous sommes, qui nous avons toujours été et qui nous serons de nouveau. Nous sommes les enfants de la lumière. Et nul ne pourra nous détruire. C'est le jour des médailles et des beaux discours. Mais nous savons que le vrai combat est ailleurs. Tenez. Il reste encore temps à découvrir, gardien. Mais dégage avec ton flingue pourri, filin. J'ai vu les ténèbres engendrer des choses horribles. Elles s'approchent de nous à chaque instant. Chaque fin annonce un nouveau début. Le combat est loin. Putain, j'ai vraiment fait une gueule bizarre quand même. Tu vois, j'ai une partie du vaisseau qui est carrément cachée, ouais, d'accord. C'est normal. Je crois que j'ai déjà fait sur... Enfin bon. Direct. Fou. Et hop. Bon, bah autant se vautrer. C'est laquelle celle-là? DJ Snake, ouais. Allez, vas-y, putain, mets-la moi tout seul, tiens. Ça va être ça en plus. L'horreur s'éveille dans le gouffre des enfers. Nous le sommes. Ouais, merde, là je vais galérer quand même tout seul. Une abomination créée par la ruche pour semer l'effroi. Nous devons entrer dans les fosses de l'invocation et détruire cette créature. Avant qu'elle ne soit lâchée contre nous. Bah, c'était votre idée. Allons trouver cette abomination. Où toi? Non.
Je ne sais pas jusqu'où nous devrons descendre pour trouver les fosses de l'invocation. Et ils m'ont vraiment mis tout seul, quoi. Putain, ça, ça prend bien. Bon, ça va, tant que ça prend bien la tête. Par contre, il est libre. Oh putain, elle va me prendre dès le départ. La salope. Il a tué celui-là. Ah, je lui fais rien. Mais non, mais putain, mais ça y est, c'est bon, ça commence. Et normal, un assaut, je me retrouve tout seul. Après, tu vois, tu me fais chier et toi aussi. Mais là, il me tue à part protéger, j'ai rien à faire. Oh, ça va me saouler ça. Voilà, c'est réglé. On va se casser les couilles, quoi. Ah, il fait trop trop vite, cet enculé. Putain! Ouais, et puis merde, c'est bon. De toute façon, au bout d'un moment, les autres vont arriver, c'est clair. Nous devons passer. Je vais tenter d'ouvrir le portail. Putain, y'a rien de plus chiant que celle-là tout seul, quoi. Moi, j'aurais su, j'aurais pas mis en 32. Un triptyque constitué de runes de la ruche. On les dit à me chercher toi. Oh, je préfère faire le lâche par moment quand même. Et d'une vague. Yes.
D'ailleurs, on manque de shoot là. Putain, mais tous ceux contre elle, c'est tendu. Putain, c'est la rue, je suis con. Alors, dégâts solaires, celui-là. Bon, on va faire un peu plus de balles là. Ah, mais je vais rester. Hein. Ouais, ça y est, ils arrivent. Putain, je me suis rendu seul. Super ce petit. Toujours pas. Toi, tu vas finir par me lâcher, je te jure. Ouais, dernier joueur en vue, donc j'étais tout seul. Comme ça, c'est la grosse blague, quoi. Eh mais putain! Je suis parti un peu quand même. Non, lui il arrive à la fin, il faut. Oh putain. Non mais putain, mais c'est bon quoi. C'est cool. Ouais, ouais, il y a un moment, c'est bon. Vénère pour la fin, quoi. Putain. De merde. Bon, alors, je vais vous donner notre côté. Ah, il est mort. C'est bon, le portail s'ouvre.
Dégage. On y est presque. Heureusement qu'il est enchaîné. Ah, comment ils mettent cher les chevaliers là. Attends, un peu voir le coup. Mais putain, mais sérieux. Oh ça, ça me tient. Je vais tout le prendre pour le coup. Ah, le gros, il est réveillé là.
Vous l'avez tué. Cette abomination a enfin été éradiquée. L'avant-garde sera reconnaissante. Nous avons éradiqué une monstruosité et ainsi épargné à nos mondes une nouvelle calamité. Mais combien d'autres abominations la ruche prépare-t-elle encore dans les ténèbres? Nous le découvrirons bien assez tôt, j'en ai peur. Putain, et c'est où qu'ils en ont planqué un déjà? Ah ouais, c'est là-bas. Merde, tant pis. C'est super, tu fais tout le boulot, tu récupères que dalle. Non mais moi je kiffe des fois. Ça vaut le coup de se faire chier quand même. Bon, j'ai quoi là-dessus? J'ai encore fait de la grosse merde. Et voilà. Bon, du coup, ça va être tout pour ce soir. En espérant que ce soit de bonne qualité la vidéo, pour changer, ce serait pas mal. Et sur ce, eh ben, bonne soirée à ceux qui regardent. Et à toi qui te reconnaîtra, je te fais de gros bisous.